Ouais l'équipe, c'est Amatopin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire la première écoute du nouveau featuring entre Guy de Besbar et Hamza qui s'appelle Fendi Love. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Guy de Besbar vient de sortir son projet qui est très très chaud, Coco Jojo comme on le surnomme très souvent, ce vendredi. Et du coup, bah c'est un des extraits du nouveau projet et justement, il vient de sortir ce clip. Et là, j'ai pu entendre justement sur les réseaux sociaux un petit teaser du son justement pour annoncer le clip. Et là, j'ai waouh! Ça a l'air très très intéressant. D'autant plus que j'aurais pas le temps justement de tourner la première écoute de Guy de Besbar. Je me suis dit, un petit featuring avec Monsieur Sauce God, Hamza, ça peut être très très chaud. Du coup, on va pas perdre plus de temps. On se fait la première écoute du nouveau son entre Guy de Besbar et Hamza, Fendi Love. Yeah. Toi, moi, c'était pour un one night stand. Mais tu sais que souvent j'ai le nom. 17 à la te porc canon devant les windows. Wow, wow. Hier plavon, demain plavon. Elle veut la Dolce, c'est King Kobe. Why? Elle veut du Fendi. Louis Fendi comme des garçons, babe. On sait que tu mens, ouais. On sait que tu mens. Elle veut un gado, mais moi c'est Jojo. Elle veut un gado, mais moi c'est Sauce Gard. On est à la bougie. J'ai fini la fin comme un bouche. Le King P, oh shit. Moi c'est Coco Jojo, toi t'es mon joujou. C'est ça que je me présente. Elle a besoin de mon message juste avant de se coucher. Elle veut un gadou, mais moi c'est Jojo. Elle veut un gadou, mais moi c'est Sauce Gard. C'est que tu mens. C'est que tu mens. Ok, donc c'était l'écoute du nouveau son entre Guy de Besbar et Hamza, Fendi Love. Franchement, le son est incroyable. Hamza, wesh. C'est quoi ce flow? C'est quoi cette voix? Moi qui suis pas le fan numéro d'Hamza, en solo en tout cas, mais en featuring cette année, oh, il fait des dingueries. Le flow qu'il a, le pont, le refrain. Oh, wow. Hey, franchement, t'as peur. Hein. Et il a fait une dinguerie. L'atmosphère incroyable, franchement, Guy, il passe normal, il s'adapte tranquillement, on va dire, plus à un son typiquement Hamza, on va dire, et justement, il ramène sa touche, et je trouve les deux univers, on pourrait se dire que ça match pas du tout, et au final, bah, ça match hyper bien, et le son est hyper agréable, et ouais, franchement, du teaser que j'avais pu voir, bah, c'est ce qui m'avait fait me dire, allez, vas-y, je vais faire la première écoute, et je me suis vraiment pas trompé. Franchement, les deux là, ils ont fait une connexion énervée. En ce qui concerne du coup les lyrics du son, donc voilà, Fendi Love, bah, le son justement parle de ce titre. Donc voilà que, voilà, je sais pas si les deux, ils s'étaient accrochés à une femme. Mais voilà, comme la plupart, ce genre de personnes sont plus attirées par leur notoriété, leur argent ou autre, que par leur personne en elle-même. Et du coup, bah, il dit même si justement, voilà, Guy ou Hamza ou je sais pas qui, ils kiffent la meuf. Ah, la meuf, elle veut juste pour eux, c'est juste pour la nuit parce que le délire c'est qu'elle va, bah, voilà, elle veut Gucci, Fendi, elle veut tout, mais bon, il n'y a pas de fond en fait dans leur relation, il n'y a pas de sincérité. Et du coup, on va dire un thème classique abordé par les rappeurs et que Hamza maîtrise à la perfection vraiment. En ce qui concerne le clip, donc on peut voir un clip assez sombre, c'est plus justement un style de clip que Hamza a l'habitude de faire, justement avec des visuels plutôt sombres, assez noirs. On peut voir justement en lien avec le son du coup des strippeuses avec sur des barres de striptease. Tout en gardant bien sûr le flow pour Guy de Besbar et même Hamza. Voilà, des petites gestuelles importantes toujours. Donc voilà, c'était ma réaction au nouveau son entre Guy de Besbar et Hamza. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez validé le son. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez kiffé le nouveau projet de Guy de Besbar. De ce que j'ai entendu, ben, des retours que j'ai pu avoir de proches à moi. Ou de voir sur Twitter ou quoi. Apparemment, il est très très chaud. N'hésitez pas également justement à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Ouais l'équipe, c'était Amatopin, on est ensemble, yes aïe. La bombe dans sa caisse, elle peut te faire des caresses.